Bonjour, bienvenue sur NTGQ. Aujourd'hui, on joue Match Pre-Release Challenge. Fait qu'on, chacun avec notre pre-release kit, on s'est fait un petit deck. Au même règlement que lorsqu'on joue des pre-release en magasin. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Là, il y en a qui peuvent se dire... Bon, ben ils ont mis les vidéos en ligne de chacun des tech decks, des deck tech différents. Ils ont regardé, ils ont fait des decks qui s'affrontent. Pas tout. Non. On a regardé en diagonale. Trois. Trois. Tu vois, c'est ça qui arrive. Je vais commencer. C'est bon. Je suis sévère. Bon, on joue le 4. Oui. Ok. Un soin. À toi. Je vais jouer une île, puis je vais jouer un Blood Tallow Candle. Coûte 1. Je peux taper. Je coûte 6 mana, je le tape. Puis je le sacrifie, puis target créature, moins 5 jusqu'à la fin du tour. C'est à toi. Pleine. 2. Mesa Unicorn. 2 lifelink. L'évolution de la Mesa Pegasus. Il transforme le plan dans life. J'aime l'évolution. Je vais jouer une montagne, je vais taper 2, je vais jouer un Diligent Excavator qui est 1-3. Quand je caste un Historic Spell, on se rappelle qu'un Historic Spell est soit un artefact, un Legendary ou une Saga. Le target player place les deux top cards de sa librairie dans son graveyard. C'est à toi. Ok, on va aller... taper Short Sword 1 plus 1 plus 1 équipe à 1 sera 1. On va équiper, on équipe à, comme une sorcerie, hein, ne pas se tromper des fois. 3-3 lifelink. Une forêt rouge. Jouer une forêt rouge sur une montagne. Je jouais Keldon Overseer, qui est 3-1 haste. Kicker 3 colorless, un rouge que je n'ai pas payé. Tant que je le paye puis que je paye le kicker, je peux untaper une créature puis lui donner haste jusqu'à la fin du tour. Fait que je vais payer pour 4. Chercher de laine dans ma main, ce que je fais. Basic laine. Basic laine sera. Un marin. Pour ensuite déclarer une 3-3 attaque. Drop. Avec ça, on va jouer Karn, Sion Ofurza, 5, Karn plus 1, je révèle les deux premières cartes de ma librairie, un opponent en choisit une des deux, je mets cette carte-là dans mes mains et l'autre, je l'exile avec un Silver Counter on it.
Moins 1, je prends une carte que je possède avec un Silver Counter on it qui est exilé et je la mets dans mes mains. Moins 2, je crée un 0-0 Colorless Construct Artifact Créature Token avec cette créature qui gagne plus 1 pour chaque artefact que je contrôle. Alright. Mm-hmm. Fait que je vais faire plus 1. Je vais révéler les top 2 cartes à mon opponent. Tu vas en choisir une des deux que je vais mettre dans mes mains. L'autre, je vais l'exiler avec un compteur dessus. Il est cool, Karn. Ouais. J'ai été chanceux, pas mal. Ouais. Ouais. On va exiler celle-là. Ok. Donc, ça, j'exile ça avec un compteur dessus. Fait qu'on se rappelle qu'à moins 1, je peux aller chercher la carte qui va mettre dans mes mains. C'est à toi. C'est la plus 2, plus 0, puis first strike dans mon tour, équipe à 3. On va attacher ça ici. C'est une 5-2 lifelink, first strike, j'attaque Karn. Oh, t'attaques Karn? 5? Il était déjà rendu 6, là. Ouais. Que je voulais faire. Ça empêche de chercher mon fight with fire. On peut pas le tuer, oui, tu peux le tuer. Oui, je pourrais le tuer. Ouais, ok. Bon, ben, ça va être ça. Là, pige. Memorial to Genius arrive sur le jeu tapé. Tape pour ajouter un bleu. 4 colorless plus un bleu. Je le tape, je le sacrifie, tu piges 2 cartes. Bon, fait que tu dois t'attendre un petit peu à ce que je fasse un Deep Freeze là-dessus. La créature va devenir un mur. 0-4 mur. Et mur et Defender. Et Defender. Je suis sûr qu'elle attaquera pas. Ouais. C'est bon. Je vais faire plus 1 avec Karn. On va regarder les deux premières cartes. Tu vas en choisir une qui va aller dans mes mains. Et l'autre qui va être exilée avec un compteur dessus. On va mettre ça avec un compteur. C'est ça? Ouais. Attention. Hop. Ouais. Oh. On va mettre un 1-2. C'est à toi. Bon. On va aller chercher. C'est attaché après le mur. Bon, ici, on a... Un, deux, trois, quatre, cinq... Petit 4 warrior, 3-2 flying. Quand ça rentre en jeu, je mets 3-4 de Valbrie dans mon graveyard. Je suis en 3 vies. Quatre flying, il y a pas. Trois deux flying. Ouais. Ouais, ça va être beau, moi. J'ai une carte. Qu'est-ce que...
jouer Vérix Bladewing. J'aurais aimé ça le kicker. 4-4 flying. Veuillez. 4-4 flying. Quand je le kick pour 3, je crée un token qui s'appelle Karox Bladewing, qui est une 4-4 flying aussi. Fait que pour 7 mana, t'as comme 2 4-4 flying. C'est trop mal. Je vais taper 1, je vais jouer un Navigateur Compass. Je vais gagner 3 points de vie. Navigateur Compass, après m'avoir donné 3 points de vie, je peux le taper. Jusqu'à la fin du tour, les lands que je contrôle deviennent des basic lands de mon choix en plus de son type. C'est du color fixing, mais ça ne pousse pas 3 points de vie. Puis, je vais faire plus 1 sur turn. Que je vais essayer de monter. Ouais. C'est à droite. Okidoki. Non, quand ils disent que quand il va dans toutes les decks, c'est vrai. C'est. Je vois ça, là. Bon, on a 5 laines. On va y aller avec. On va attacher. 1, 2, 3. On va attacher ça à ça. Ici. Puis. Je vais attacher l'autre ici. Puis je vais mettre celle-là en jeu. Je crois que je vais l'encore. Si on a une 5-2 flying, first strike sur toi. Moins 1, je vais récupérer Fight with Fire. Fight with Fire, 5 points de dommage sur la méchante créature. Ça étant fait, je vais 1 plus 2, je vais faire Divination. J'ai 2 cartes. 1, 2. Ensuite. Je vais t'attaquer. 3, 1, 4, 4. La 3, je la bloque avec mon 0, 4. 4-4, c'est fait, je peux rien faire. C'est là. Ouais, 26. Ouais. Mais puis plus grand chose. On peut attacher. Combien la tienne? 1-3? Ouais, 1-3. 1-2. Colin, j'ai complètement oublié son habilité une couple de fois. 2. Hein. Qui fait. Ah, oh, mais c'est des nouvelles cartes. Ouais, non, c'est ça. Non. Je... Qui fait déjà. Quand que je joue une historic card, c'est-à-dire Vérix, Navigateur Compass, tu pas les deux premières cartes dans ton Mais non, non. Ouais, tu vois, c'est. C'est ça. Pas plus penser. Non, non. 1, 2, 3, 4. Oh, ok. D'accord. Je l'aimais beaucoup, lui. Mm-hmm. Moi, je l'aimais pas. Pas toi, tout. Je vais attacher.
la 1. Fait que si on est rendu à 1, 2, 3. Puis je vais attaquer Karn. Il est combien? Il est 3. Ouais, non, je sais faire. Je sais faire Karn. Bon, c'était trop. C'est à moi. Karn, il est trop précieux. Ok. 1. Fireball! Ah, oh, ils l'ont pas fait. 3. 4. Fire intervention. On est pas loin. Hein. Je vais détruire target artefact. Je choisis soit que je fais 5 points de dommage. Celle-là? Non, celle en dessous. Celle-là? Soit que je fais 5 points de dommage ou que je détruis target artefact. Je vais détruire target artefact. Ok. C'est ce qu'il me reste. Plus grand chose. Un mur. Un vrai mur. Un mur defender. Je vais enlever un. Je vais récupérer Tetsuko ou Misawa. Que je vais caster. Tetsuko Misawa, il est 1-3. Les créatures que je contrôle avec un power ou une toughness de 1 et moins ne peuvent pas être bloquées. Il y a un toughness. Je vais le faire 3. Ok. C'est à toi. Ouais, on y va comme ça. Ouais, c'est ça, on y va comme on peut. Je t'ai fait un mur 0-4 pour me protéger, mais il faut que je trouve un moyen pour qu'il rentre. Bon, on va jouer. 1, 2, 3. 3 ici. On va jouer Soul Salvage. Je peux retourner jusqu'à 2 créatures de mon graveur dans ma main. Merde. Tout pris pour m'en débarrasser. 2 créatures. On va aller avec... Ok. Ça. Il reste 3. Je vais mettre une petite. J'ai mis une petite 1-3 pour 2. Qui est... Quand on peut la kicker, ben, ça peut lui faire discarter 2 cartes. Mais là, on est pas là. On la kick pas. On la kick pas. Puis je vais attacher un. Plus 1 dessus, ça va être 2-4. Donc, 2-4, c'est ça. Donc, c'était quoi? Ok, comme tap. Ok, on pige. On a ça. Bon. Combien il est? 2-4. 2-4. Pas la fin quand même. Oh non. 1. Je vais jouer Joyra de Weatherlight Captain. Là, tu te rends compte qu'avec Karn, Joyra puis Vex, j'avais pas le choix de jouer rouge et bleu. Ouais. 3 mythiques dans mon pré-release kit. C'est. Avait... Ouais, j'avais Mox, moi, puis je peux pas vraiment le jouer. J'étais comme Bandit tout, de jouer. Je vais taper 1, je vais jouer à une autre Blood Tallow Candle. Ah oui, excusez, Joyra, ce qu'elle fait, à toute fois que je casse un historic spell, un artefact, un legendary ou une saga, je pige une carte. Fait que je vais jouer un Blood Tallow Candle et je pige une carte. C'est combien? Et 3-3. Faut 3 rien d'autre. 3-3 rien d'autre. Je vais jouer un Relic Hunter, qui est un 2-1. Relic Hunter peut pas être bloqué si j'ai joué un Historic Spell ce tour-ci. Ouais. Mais anyway, Relic Hunter peut pas être bloqué présentement à cause de Tetsuko. Tu vas utiliser Karn plus 1. On va aller les 2 cartes, d'après moi, je vais recevoir un mille dans les mains. Et je vais t'attaquer pour
4. Imbloquable. Et c'est à toi. On a 6 lignes. 1, 2, 4 ici. Ensuite. Téléphone! Bon. Ça arrive. Ça arrive des fois. Fait qu'on va y aller avec. Bon, les 2, 4 ici. On va y aller avec une augmentation. 1, 2, 3, 4. Oh, une Serozwing! Ouais. Plus un, légendaire, life flying, vigilance, lifelink. Il est rendu 3-5. Je vais y aller avec. Une attaque pour 3-5. Flying. 1, 2, 3. Je pense que ça va être tout. C'est bon? Ouais. On va mettre ça. Bon, je pensais jamais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais t'appeler un Blood Tallow Candle, puis je vais donner moins 5, moins 5. Ah, j'aurais dû l'attacher, maudit. Il va penser à 105 de défense. Ok. En réponse, je vais faire moins 2 là-dessus. Ouais! Moi, il y a un 3. Il y a un 3? Oui. Bon, tu peux y aller sur le. Mais tu peux le cliquer et sacrifier quand même. Ah, ouais, c'est ça. C'est ça la réponse. C'est la réponse? Ouais, c'est la réponse. En réponse à ça, c'est ça. Bon, pour que ça soit plus imbloquable. C'est correct. Puis là, il reste toujours mon mur. Oui, il reste ton mur. Puis là, il peut en bloquer ton mur. D'accord. On va quand même forcer ton mur à bloquer quelque chose. Je t'attaque. Ah ouais, c'est quoi? 2, 3, 3. 2, 3, 3. Ça va bloquer 3. Fait que ça va être 5. On va utiliser Karn pour plus 1. Des freeze, tu te rappelles que t'aimes pas ça. Hein? Ben là, j'en ai pas d'autres, là, mais. Attends quoi. C'est là. Je fais attention, les gars, parce que je vais me decker. Ouais, mais c'est ça que. tranquillement, pas trop vite. Bon. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toi, t'as un autre moins 5. Moi. Ok. Ici qui s'en vient. Ici qui s'en vient. 2-2, first strike, puis 2-2, double strike. Double strike. Okay, l'autre double strike. D'accord. Mirari Conjecture. Ça, c'est quoi déjà? C'est une saga. Ouais. Ok, premièrement, à 1, quand je la mets en jeu, t'as à 1, je return target instant de mon graveyard dans mes mains. Après ça, le prochain token va se mettre à la fin de ma draw step. Ouais. Là, je vais ramener une sorcery card.
Puis instant sorcerie, puis après ça, c'est... C'est, je peux... quand je fais un instant ou une sorcerie, je peux choisir une nouvelle target. T'as doublé, dans le fond? Ouais. OK. Donc là, je vais ramener un instant. Big fail, j'ai juste des sorcières. C'est pas grave, le prochain tour. T'étais sûr d'en avoir? Oui, j'étais sûr d'en avoir. C'était des sorcières. Oh. Mais là, c'est illégal, return target instant card. Ben non, mais il y en a pas, c'est pas grave. C'est pas... c'est pas un illegal play, c'est un play qui s'en va dans la zone d'effet qui se passe à rien. Bon. Comme j'ai joué une historic card, j'ai une carte. Tu vas te decker. Comme j'ai joué une historic card, elle est imbloquable. Tu vas te decker. Oui. Va te faire piger 10 cartes. Hey, toi. J'ai joué un Gitu Lavaronneur. Qui est 1-2. Tant que je contrôle 2 ou plus instant ou sorcerie dans mon graveyard, il est plus 1, plus 0 et haste. Note 2-2. 2-2 double strike. 2 double strike. 3-2 ici parce que j'ai un contrôle un permanent blanc. Je vais faire moins 1. Je vais récupérer des freeze. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Oh. Des freeze à lui. Lose all other ability, hein. C'est cela. Je vais taper un, je vais donner first strike à toutes mes créatures. Puis je vais le faire. C'est ce que Warlord Fury. Oui, oui. C'était dans mon autre version de deck que je voulais faire. Puis je vais taper. Et haste. Vu que je... Ça fait combien tout ça? 2, 5. 6, 7, 8, 9, 10. T'as des mules. Oh oui. Ben, on va blesser. T'as une 3. Ouais. T'as une 3 ici. Une 3. Fait que les 3 bloqués. 3 bloqués. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. T'as ça, là? C'est à toi. Ça manque de finish. Oh wow! Il est en premier tour, c'est bon ça. Pas là. Bon, ben il me reste une 3-2 first strike. Que je vais. 3, 4, 5, 6, 7. Tout! Sorcerie, cette fois-là, on va être en mesure d'aller en chercher une. Je vais aller chercher Fight with Fire. J'ai même pas calculé si j'avais ce qu'il fallait. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ça n'a rien de chance. 1, 2, 3. Plus le kick. Fight with Fire, je fais 10 points de dommage divisé comme je veux au nombre de targets. Fait que ça c'est 2, 4. 4. 4. 4, on a de la visite. On a de la visite. 4, 5, 9. Puis 10 minutes, je vais tomber. Tout ça c'est mort? Ouais. Prends ton deep freeze. Fait le bon d'un popsicle. Ouais. Et quand même. Celle-là aussi.
Ah oui? 4, 8, 9, plus 1 sur ton là, si t'en as un autre coup. Ok. 1, 2. Ben là, je t'attaque, puis tu vas enlever quand même. Puis il est tout le temps, ça, ou il est 2 de non, tant que j'ai 2 instants ou sorcellerie ou plus. C'est juste pour l'Ace. On va qu'il y ait 3, 4, 5, 6, 7. Oh boy. C'est à toi. T'es à 13. Ouais. Oh wow. Bon. 1, 2, 3. Non, ce sera pas suffisant. Oui, peut-être. Tu manques ton point de vie, c'est vrai? 3, 1, 2, 3. Merde! Jusqu'à la fin du tour, instant sorcellerie, je peux copier. Bon, faut juste choisir ça sur le sens du monde. Je pense que je suis correct. 1, 2, 3. Je suis correct. 4. Ça fait que je garde ça. 1. 4, 5, 6, tape sacrifié, moins 5, moins 5. Warcry Phoenix, 2, 2, Flying Text. Ah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je bloque les... Ah, je bloque la 3. Ouais, je fais 9, 100. Lequel qui est 3? Le 2. 5, 6, 7, 8, 9. 9 piles. Tu flushes. Grâce au Warcraft Phoenix. Eh là là. T'as envie de plus avoir de 4, toi. Ah non, non, j'ai pas amené à la fin pas mal. Là. Mais c'est ça, on s'entend que quand j'ai fait le deck, j'ai mes 3 mythiques qui fitaient, mes rares conjectures qui fitaient dans le lot. J'étais comme, j'ai pas le choix. Mais de toute façon, vous devez avoir vu le deck donc. Et les ouvertures de booster. C'est sans ça. Ouais, il y a paru. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. Passez une bonne journée.